Je m'appelle Megan Franceschini, j'ai 23 ans et depuis 3 ans, je suis en formation en gestion et prévention des risques. Formation donc GPR a commencé en 2010. Je fais partie de la première promotion. L'idée c'est de voir de balayer les risques industriels environnementaux et de voir toutes les méthodes qui sont disponibles pour les gérer et pour faire de la prévention. J'avais vraiment envie de rentrer dans le monde professionnel. On est en cours une semaine sur deux. Enfin, pour notre école, l'alternance c'était une semaine sur deux. Et puis le programme c'est le même que les autres écoles, mais du coup en moins de temps. Donc c'est beaucoup plus intense. Mon premier projet c'était une analyse des risques sur une nouvelle ligne de conditionnement, les paquets de céréales de 30 grammes qu'on connaît dans le commerce. On avait la nouvelle ligne qui venait de s'installer pour faire le packaging, donc analyse des risques professionnels et environnementaux. Mon projet deuxième année, on a fait la mise à jour de notre arrêté d'exploitation. Donc il a fallu refaire tout le tour de l'usine pour voir où on en était par rapport à celui de 2010. Et là, mon projet de troisième année, c'est de réduire nos eaux usées, donc en termes de pollution et en termes de coûts. On est une petite promo et ça a beaucoup d'avantages. Quand il nous arrive quelque chose un peu de particulier, on le partage. On partage aussi des infos sur de la réglementation, sur des audits, etc. Moi, je ne connaissais pas l'idée d'Udi avant d'arriver. Je trouve que son projet de se mettre en partenariat avec les arrêts métiers pour notre formation GPR et Polytech pour la formation MP, je trouve que c'est super intéressant et puis ça nous permet d'accéder à l'apprentissage. Et je me estime chanceuse d'avoir pu intégrer cette formation.